Merci, cher ami Boka. Notre fierté depuis le Québec. Madame la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la ministre de Côte d'Ivoire en charge de la culture et de la francophonie, Monsieur l'ambassadeur de la République populaire de Chine, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les parlementaires, conseillers économiques et territoriaux, chers amis, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation de la Biennale, Monsieur le Président, Maître Moustapha Ndiaye, ainsi que les précédents présidents, je voudrais vous saluer et saluer l'ensemble des membres du comité d'organisation de la Biennale. Chers artistes et chers amis de la communauté artistique, honorables invités, nous célébrons ce matin la 14e édition de la Biennale d'art africain contemporain, Dakar, après une pause de 2 ans imposée par la pandémie Covid-19. Le monde entier a été figé dans l'inquiétude. Tout était à l'arrêt. Mais pour nombre d'artistes, ce fut aussi un moment d'explosion du génie créateur. Nous voici à nouveau réunis pour la fête de l'esprit et de la sensibilité, sans oublier que durant les 2 dernières années, nous avons été frappés par le deuil. Je pense à toutes celles et à tous ceux qui, dans cette période terrible de la Covid-19, nous ont quittés, artistes, intellectuels, citoyens du monde, connus ou inconnus. Je pense aussi aux grands artistes et serviteurs des arts et de la culture qui ont apporté à la Biennale une contribution inestimable. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'observer 1 minute de silence et de prière en leur mémoire. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, le Sénégal vous accueille avec enthousiasme dans la pure tradition de la teranga, au plus profond de notre culture d'ouverture et d'hospitalité. Artistes, critiques d'art, galeristes, conservateurs de musées, collectionneurs, mécènes, touristes d'art, à toutes et à tous, je vous adresse les salutations du peuple sénégalais. Merci d'être venu dans notre pays, qui est le vôtre également, à Dakar précisément, pour partager ces instants de beauté. Depuis l'édition de 2014, il devient une tradition de mettre à l'honneur 2 pays amis et frères. Cette année, le choix a été porté
sur la Chine et la Côte d'Ivoire. La Chine est un grand pays à la civilisation millénaire, où l'esprit s'est sublimé dans la création d'œuvres artistiques et artisanales, aussi belles qu'ingénieuses. Les créateurs de ce pays ont admirablement réussi à concilier le génie propre du peuple chinois, ses cultures et ses traditions à la dimension universelle de l'art. La Chine n'est pas seulement présente sur la scène des grandes expositions internationales. Elle est aujourd'hui le premier marché de l'art, selon le rapport de Art Price publié en 2022. Nous pouvons ainsi écouter et entendre avec profit l'expérience chinoise dans notre quête permanente de performance. Pays frère et ami, la Côte d'Ivoire a très tôt compris avec le Sénégal la puissance de l'art comme marqueur d'identité et facteur de développement et d'ouverture au monde. C'est ainsi, dès 1962, que ce pays a créé sa première école d'art. Fidèle à l'esprit des pionniers, artisans de notre indépendance, nous assumons la commune volonté de placer la culture au centre des stratégies de développement de nos pays à travers la sauvegarde de la promotion, la sauvegarde et la promotion culturelle, source d'inspiration intarissable de créativité. Pays invité d'honneur de cette édition, la Chine et la Côte d'Ivoire sont tout aussi amis et partenaire privilégié du Sénégal. Je voudrais à ce propos demander à Madame le ministre de la Culture de Côte d'Ivoire et à Monsieur l'ambassadeur de Chine au Sénégal d'être mes interprètes auprès des présidents Xi Jinping et Alassane Ouattara pour les remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Mesdames et Messieurs, le thème général de la Biennale Dakar 2022 est Indafa, forgé, out of fire en anglais. Indafa signifie forgé en langue serrère, une belle langue, mais qui ne doit pas mourir, un cousin serrère de leur vie. Il faut que vous parliez plus souvent serrère et en public. Cela nourrit la langue également. Une des très belles langues parlées au Sénégal. Forger, oui. Mais que forger? Dans nos traditions, le forgeron est un artisan qui modèle à la main du matériau brut, du métal, pour réaliser des objets à la fois beaux et porteurs de sens. La forge du temps comporte un aspect cosmogonique et créateur. Le travail de la forge est dans la constitution de l'être à partir du non-être. Ainsi, chez nos frères et sœurs du Mali, et je salue le jeune Sidiki Diabaté pour son talent, on ferait référence à la lignée des Diarisso, la première à apprivoiser le feu et à inventer l'art de la forge qui allie les dimensions esthétiques et sacrées des objets forgés. Forger nous plonge dans la création, c'est-à-dire la capacité d'un individu ou d'un groupe à imaginer ou à construire et donner forme à un concept neuf,
un objet nouveau ou à découvrir, une solution originale à un problème. Dire Indafa, donc, c'est creuser dans l'histoire propre du peuple, explorer ses trésors et élever ce qui est diffus à la forme supérieure de l'être, c'est-à-dire l'art. Forger Indafa, c'est façonner, non pas seulement la matière, mais aussi la main et l'esprit de celui qui s'y investit pour accroître et améliorer le savoir-faire professionnel. En d'autres termes, la formation devient impérative pour accompagner et stimuler l'essor de l'art contemporain africain qui plonge ses racines dans notre génie propre et s'ouvre à tous les souffles féconds du monde. Il est vrai que le produit des ventes d'art africain s'est multiplié ces 20 dernières années. Pour autant, il n'a pas donné la pleine mesure de son potentiel. C'est dire que le talent seul ne suffit pas. Il faut créer un environnement stimulant qui intègre méthodiquement la formation pour soutenir la montée en puissance de l'art contemporain africain. Et c'est la raison pour laquelle je tiens beaucoup à la construction de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Et je construirai à la nouvelle ville de Diamniadio. Cette nouvelle école des arts devra permettre à la communauté artistique de se réinventer dans ses métiers et dans ses projets. Elle permettra aussi de s'ouvrir davantage aux nouvelles technologies pour rester connecté au monde. La pandémie COVID-19, qui a obligé les artistes à utiliser le numérique comme support de communication et de diffusion, indique très clairement la nécessité et l'urgence à opérer cette mutation. Cette école, Monsieur le ministre, je pense, devra voir ses travaux démarrer. Mesdames et messieurs, entre ces éditions de 2016 et de 2018, la Biennale a beaucoup innové et évolué, autant dans son esprit que dans sa pratique. Nombre de recommandations avaient été alors formulées et la réflexion se poursuit. Le suivi est assuré par mon gouvernement sur les questions telles que la propriété intellectuelle, en particulier le statut de l'artiste, dont la loi a été déjà votée par l'Assemblée nationale depuis le 30 décembre 2020. Les mécanismes de financement innovants de la culture, le mécénat et la fiscalité des entreprises. Nous allons faire des aménagements pour que les entreprises, privées comme publiques, puissent financer l'art et la culture. Le marché de l'art qui devrait permettre de transformer le potentiel esthétique en valeur économique. Le programme spécial d'acquisition par l'État et ses démembrements des œuvres artistiques et surtout l'application de la loi 68-02 du 4 janvier 1968 relative à la décoration des bâtiments publics ou recevant du public. Il faut s'ajouter à cette liste l'utilisation intelligente du numérique, aussi bien dans la création que dans la circulation des œuvres. Voilà
autant de chantiers sur lesquels nous travaillons dans la perspective d'un écosystème favorable à l'économie créative. Nous savons tous aujourd'hui que le contexte mondial a ses exigences et la Biennale, comme toutes les autres structures du même genre, doit s'adapter au risque de se voir dépasser, voire même disparaître. Mon ambition pour la Biennale et le développement de la culture, d'une manière générale, se construit progressivement. Le musée des civilisations noires, en face, que j'ai inauguré en décembre 2018, en est un symbole qui fait aujourd'hui la fierté du Sénégal et de l'Afrique. Et parlant du musée, je voudrais saluer l'exposition Picasso, la belle collaboration entre la France et le Sénégal qui a permis le transfert des œuvres de Picasso pour une exposition qui est encore en vigueur, je l'espère, monsieur l'ambassadeur, que je n'ai pas encore pu visiter cette exposition. Donc c'est l'occasion également, juste en face de ce grand théâtre, que vous puissiez également visiter le musée des civilisations noires ainsi que l'exposition Picasso. Nous avons également les chantiers du mémorial de Gorée sur l'esclavage. Je vais construire à compter de cette année, ainsi que du mémorial de Djola. Il en est de même des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté dans les 46 départements du Sénégal, maisons qui offriront aux jeunes talents un accès au métier des arts et de la culture, entre autres. En 2018, j'avais décidé d'augmenter la subvention de l'État à la Biennale de l'art africain contemporain. À partir de cette édition, nous le savons, nous sommes passés à 1 milliard de francs CFA. Et ce n'est pas suffisant. Et c'est pourquoi j'ai demandé, pendant cette édition, que les sociétés nationales du Sénégal puissent apporter leur contribution, et je salue la contribution qui a été la leur. Merci donc, ainsi que toutes les sociétés privées qui ont également participé au rehaussement et à la réussite de cette biennale. Nous pourrons ainsi poursuivre nos efforts dans le concert des dates majeures à travers le monde. Je pense d'abord à la création d'un fonds de soutien à la participation aux grands événements du monde pour contribuer à la promotion de nos œuvres d'art. Je souhaite que le pavillon du Sénégal puisse faire le tour du monde pour porter le message des artistes sénégalais, des hommes et femmes de culture, et pour participer au rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Ensuite, il faudra d'autres subventions pour accompagner le Salon national des arts visuels. Et comme vous le savez, je suis en train d'aménager l'ancien palais de justice pour en faire un palais des arts qui va accueillir des expositions. Alors ce site donc du palais des arts sera un village connecté qui offrira aux visiteurs bien des commodités à l'ère de notre temps. Il accueillera dans ses activités d'animation des spectacles vivants autour du thème de la fusion. De plus, on l'a évoqué, deux cartes blanches ont été données. L'une à notre compatriote Soli Cissé, dont le talent est désormais mondialement consacré, qui retracera son parcours exceptionnel et partagera son vécu
qui assurément contribuera à en inspirer beaucoup et surtout les jeunes. L'autre carte blanche est aux manufactures des arts décoratifs de Thiès, un des fleurons de notre scène créative qui va aller à la rencontre des publics professionnels et amateurs pour faire découvrir l'immense talent de ces tisserands, des tisserands du beau. L'exposition hors des murs d'Ohantou, et je félicite vraiment M. Ndiaye pour son talent, on vient de Ndiaye, hein, le commissaire. L'exposition d'Ohantou, qui sera sur la corniche ouest, contribuera à repousser les limites pour que la Biennale se découvre dans l'espace urbain dakarois. Et des artistes y réalisent in situ des structures monumentales et des performances. Tout au long du parcours, le parcours que nous sommes en train d'aménager, de verdir et d'embellir, ce projet promenade donc d'Ohantou, qui signifie la promenade en Wolof, donne à découvrir les charmes de la corniche de Dakar. Toutes ces innovations sont le fait d'une équipe motivée que j'ai rencontrée, une équipe disponible et engagée sans réserve pour donner un cachet particulier à cette édition du Dakar. Je tiens à féliciter M. Abdoulaye Diop, le ministre de la Culture et de la Communication, le comité d'orientation de la Biennale et son dynamique président, Moustapha Ndiaye, ainsi que tous les membres du comité. Je veux saluer Mme Thérèse Diatta, entre autres, la secrétaire générale également de la Biennale, la très dynamique secrétaire générale. Merci donc à toutes celles et à tous ceux qui ont permis, en tout cas, cette belle édition 2022. Et merci surtout aux professionnels des métiers des arts et de la culture, aux amoureux des arts visuels et à toutes les personnes qui portent cet événement majeur que nous partageons. À tous les partenaires également et acteurs de cette édition, à tous les artistes du in comme du off, à vous tous, invités de la Biennale de Dakar, je souhaite un agréable séjour au Sénégal. Je déclare ouverte la 14e édition de la Biennale de Dakar 2022 en souhaitant qu'elle réponde pleinement à votre attente. Je vous remercie. Wow. On a good.